Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans cette vidéo de Zelda Breath of the Wild et aujourd'hui nous allons partir, j'espère, sur quelque chose qui ne ressemble pas à une ellipse. S'il vous plaît, je ne veux vraiment pas. Parce que ça va être horrible, vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Ça fait peur. Toi qui tiens devant la qui te tiens devant la créature divine au nom de la déesse Cilia. Les emblèmes de Naboris que tu apportes vont te permettre d'arpenter tes propres souvenirs. J'ai tellement galéré avec cette épreuve. Sur, ben, genre, le combat de base. J'ai dû passer des heures et des heures à trouver des bonnes armes. Et là, je sais pas. J'en sais rien du tout. Est-ce qu'on va partir sur une ellipse encore pendant 2 heures? J'en sais rien. Et ça, c'est ça qui me fait flipper en fait. Ah, par contre, on a cette tenue que je n'ai jamais récupérée. Qui est trop bien d'ailleurs. Ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé son apparence. L'ennemi qui t'attend est né de la peur enfouie au fond de ton être. Oh que oui! C'est ton âme seule qui doit triompher de cette épreuve. Tu n'auras pas d'armes physiques. Oh, par contre, j'ai pas sauvegardé avant de partir. Est-ce que Nabori aura déjà tout de récupéré si je meurs? Non, non, pas Miaou. Mais. Alors là, je vous explique. Elle a les yeux fermés, elle est en train de dormir là. Elle lève la tête et elle miaule. Genre, le chat avait levé la tête. J'ai quoi comme arme? J'ai aucun arc. Aïe, aïe, ok. On va faire doucement. Enfin, doucement, tout est relatif. Allez, viens. On va essayer de tenir celui-là. Je vais garder ma Boris pour la deuxième phase. Attendez. Par contre, mon arme est à 50, ça veut dire que si je. Si je réussis un autre ralenti, il faudrait que je l'utilise plus tôt. Ah, je suis parti sur la gauche à la place. Faut que je prenne cette arme. Contre, je suis totalement à bout de force là. Ah, c'est déjà bien, on a réussi à passer cette phase. Et du coup, j'ai utilisé tais-toi. Elle arrive même pas à ouvrir les yeux en plus, par contre. Je sais pas s'il y a un problème avec les yeux. Ah, bah, on aurait été deux du coup, j'imagine. Donc j'essaie de lui renvoyer. Il est tombé comme une feuille. Faut que je lui fonce dessus avec l'arme à une main. Ah purée. Ah
du premier coup. Je suis content. Bon, étais-tu absorbé par tes réflexions? Pardon, je devais pas te poser de questions. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue, écrire un nouveau chant. À la mémoire d'Urbosa. La chanson d'Urbosa, du coup. Je vais vous répondre sans délai. J'accepte votre requête, princesse d'Hyrule. On me rapporte que le gang des Yiga fomente la résurrection du fléau et qu'ils sont prêts à tout pour s'approprier notre trésor ancestral. Je rejoindrai vos rangs et nous œuvrerons à la destruction du fléau. Sa Majesté, le roi d'Hyrule, vous en sait gré. Dame Urbosa, suzeraine de Gerudo, soyez remerciée. Tu étais impressionnante, Urbosa. C'est vrai, je ne t'avais jamais vue aussi digne. Ah non? Pour ma part, je ne pourrais pas en dire autant. Je me souviens de vous il y a 10 ans, madame. Urbosa, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment. Tu m'appelles toujours, madame. Est-ce qu'il y a une raison? Oh. Hé, vous deux là-bas. Contrairement à vous, je n'ai pas pour habitude de prendre les gens en traître. Je vous attends. Princesse d'Hyrule vous regarde. Je ne verserai pas votre sang. Partez. Regarde, ma princesse, une vraie petite dame. Quoi ? Elle me le répétait souvent. Vous étiez jeune alors, ma très chère amie. Comme elle souriait en disant ces mots. Ma mère, n'est-ce pas? Il y a 10 ans, je m'en souviens bien. Vous veniez à peine de perdre votre mère. Mais vous gardiez la tête haute. Vous teniez votre rôle. Vous étiez l'héritière du trône. Elle aurait été fière de sa petite dame. Je l'ai été pour elle. C'est même pas une blague. Je pense que cette scène n'aurait pas autant d'émotion si on n'était pas allé lire le livre, très honnêtement, sur à propos du passé de Zelda, très honnêtement.
Décidément, tu ne cesseras jamais de m'impressionner. Et tu maîtrises encore mieux la colère d'Urbosa désormais. Je te confie la princesse, jeune héros. Tu es la fierté du royaume, et je sais que tu la serviras de ton mieux. Du coup, la colère d'Urbosa se fera plus rapidement. Je sais pas si elle l'est déjà mis, du coup. Tu as plus que prouvé ta valeur, héros. La dernière porte attend au sanctuaire de la Renaissance. Rends-toi sur place. Mais bon, ça, on sait où c'est le sanctuaire de la Renaissance, en vrai. Ouais, ça prend 4 minutes maintenant. C'est super cool. À moins que ça ait été. Bon, je vais faire la téléportation et je vais ouvrir mes chats parce que j'ai mes deux chats qui me regardent. Toi qui souhaites commander une créature divine, tu es de retour là où tout a commencé. Tu as triomphé de chaque épreuve, il est temps de te présenter. T'es la toute dernière. La toute dernière avant le château de Dirune. Replace la tablette Sheka sur le terminal dont tu l'as retirée au début de ton périple. Attends, quoi? Et la voix s'ouvrira. Attends, ah ouf, c'est juste la voix qui s'ouvre. Moi je croyais qu'il fallait que je la rende et que je n'aurais plus accès à mes trucs. Par contre, ça. C'est... Pars-toi, Korobu, s'il te plaît. j'ai passé la cinématique directement, mais il s'est passé quoi du coup? Moi j'ai directement appuyé sur X, mais si ça se trouve, il y avait une cinématique. Toujours que je cache tout. C'est pas possible. Ah non, ça va. Ah si, je crois effectivement que j'ai tout gâché. Le Korobu est-il... Non, il est plus loin. En même temps, c'est normal. Quand on sait comment un jeu vidéo est fait, un minimum, voilà. On va essayer de changer de tenue un peu parce que ça, c'est... L'air est tempéré, ça va. Sois le bienvenu, tu as triomphé de bien des obstacles avant d'arriver jusqu'ici. Ta dernière épreuve t'attend. Il te faudra trouver ton chemin dans ce labyrinthe tortueux. Pour cela, commence par obtenir la carte. La pierre guide détient les informations dont tu as besoin. Ouais. Et c'est comment dire ? Meurs, s'il te plaît. Comment dire que je n'aime pas ce donjon-là, en fait. Très honnêtement. Autant les créatures divines, je les aime bien. Autant je disais, ouais, il y en a que j'aimais le moins, mais... C'était pas trop difficile. Autant celle-là, j'ai mis pas mal de temps. Mais en vrai, j'ai déjà fait une fois. Donc c'est possible que je gère mieux. Mais on verra. Soit dit en passant, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo que cette vidéo se terminera. Enfin, que ce let's play se terminera. Sûrement la prochaine, en tout cas. Je ne sais pas si c'est celle-là ou si ça sera la prochaine. J'en sais rien du tout. Du coup, il faut que je fasse un truc du genre. Parce que du coup, j'ai 4 terminaux de contrôle à... aller récupérer. Je vais essayer de me coller à ça pour rentrer. Je sais. Ah bah non. Bah non, c'est stupide. Je suis un champion.
J'espère que j'irai par en haut. Ouais, ça. Devant la porte. C'est cool. Donc, est-ce que je peux... Non, ok. Très bien. En fait, non, ce qu'il faudrait, c'est que ça tourne de l'autre côté. C'était limite, hein. Alors. Très bien, il y a une histoire de boule. Mais comme dit, vraiment, le coup de... comme je disais, le coup de la merde. Du coup, techniquement, c'est plus proche... c'est plus proche de l'autre côté, du coup. Enfin, de ce côté, genre... quand je dis l'autre côté, la boule qui fait un backflip. Je crois que je vais devoir essayer de le bloquer. Au bon moment, surtout. Voilà. Genre comme ça. Maintenant, j'imagine que je vais devoir essayer de faire tourner la boule afin de... si je bouge de l'autre côté, ça devrait faire. Ouais, c'est bien ça. Comme ça, ça changera un peu. Par contre, ça va où? Ah oui, non, ça va, ça ira au centre là. Ça va, ça va. J'ai peur que ça... que ça parte dans une autre direction, tout simplement, parce que j'avoue que... ça aurait pas été ouf, quoi, en fait. Faut le tourner de l'autre côté. Et comme ça, on récupère juste la boule. Et on la récupère, et on la ramène, je ne sais où, d'ailleurs. Parce que j'avoue qu'on doit déplacer la boule, mais où est-ce qu'il faut la ramener? Aucune idée. Je vous espérais que ça doit être là-dedans, j'imagine, mais... mais j'espère. Ah bah... c'est vrai que c'est... j'ai oublié qu'il fallait s'occuper des terminaux de contrôle, en fait. Ah, c'est bien, ils m'ont fait rentrer depuis l'intérieur. Peut-être parce que j'ai sauté un peu trop... un peu trop, comment dire... dans une mauvaise direction. Alors... on devait passer de cette direction et je ne sais plus du tout. De... je sais juste que c'était par là qu'il fallait passer pour l'autre. Et les autres, en du fait, coup, pour une autre direction, je vais essayer de passer par les hauteurs, en vrai. Parce que j'avoue que je ne sais pas trop de quel côté on peut aller, vraiment. Enfin, maintenant, j'ai des hallucinations. Je sais pas si c'est le chat qui miaule ou si c'est le jeu. J'en peux plus. Quelle direction est-ce qu'on peut aller? Je sais pas si c'est par les hauteurs là. Oh purée. Je crois que celui-là c'est le dernier à faire. Ah mais si je meurs, je suis pas sauvé par Mipha. Parce que du coup c'est un peu considéré comme un sanctuaire en fait, donc donc c'est un peu chiant. Aïe aïe aïe. Comme il fuit. Non, je vais pas utiliser les flèches maintenant. Mieux vaut les garder pour le combat de boss, parce que le combat de boss. Est-ce que je peux leur envoyer? En vrai, j'ai envie d'essayer. Non, ça tire trop vite. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais ça, de le renvoyer comme ça. Je l'ai jamais fait. Purée.
C'est... Comme j'ai déjà dit, faut jamais arrêter d'apprendre, hein, bien évidemment. On en apprend toujours plus de jour en jour. Mon seul souci, c'est que ce passage est très lent. Malheureusement. Y a pas un truc qu'il faut que je retire, ou un truc du genre. Je sais pas. J'essaie de passer de ce côté-là. On va voir si on peut essayer les... Oh purée, il y en a un autre là. C'est l'épée de légende que j'ai, hein. Ouais. Ah purée. Je vais essayer d'économiser toutes mes autres armes. Bah c'est raté. Mais j'ai déjà galéré en normal en vrai le boss. Mais là ça va être encore pire. Oh purée. Je n'ai pas hâte. Je sais pas si on peut le faire maintenant, mais... Mais je tente. Y'a rien à faire ici. Oh! Je viens d'avoir un éclair de génie. Je vais mettre d'ailleurs juste ici pour gagner du... Non, bah non, on peut pas gagner du temps. Si ça c'est pas la réponse de l'intelligence, je ne sais pas ce que c'est. L'appel de l'intelligence. Comme ça se fait des éloges. Bon, en vrai, j'avais galéré bien plus longtemps, je crois, sur ce donjon. La première fois que j'ai fait. Nickel. Bon, on a déjà une première partie. C'est déjà bien. La deuxième. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs comme ça. De quel côté il faudrait que je fasse? Nice. Donc là il est ici et... À quoi ça sert cette boule? Attendez. Oh. C'est trop bien. J'aime beaucoup les idées qu'on a dans ces petites énigmes. Ça fait vraiment penser à... Zelda, j'imagine. Mais au Zelda un peu plus traditionnel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je suis pas censé avoir plus d'eau pour grimper. Je dois avoir oublié un truc. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. J'ai plus l'impression d'être bloqué là en fait. Genre je peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller dans le trou là? Ici? Peut-être. J'essaye. Et c'est à ce moment-là je softlock le jeu. C'était pas la meilleure des solutions de sauvegarder ici. Ah d'accord, c'était fait exprès pour ne pas me faire perdre tout bêtement. Autant pour les dernières vidéos elle a rien dit, autant là maintenant elle est chiante. Oh, mais je suis stupide en vrai. Mon niveau d'intelligence, il le dépasse pas les... Il dépasse difficilement les 3.
problème, c'est que là, c'est en vidéo, ça arrive pas souvent, et souvent, je fais des coupures en plus. C'est ça le pire. Je retire le plus gros. J'ai pas. Y a pas tous les miaou. C'est horrible. Je peux même pas utiliser la rage de Rivali pour me rendre les choses plus rapides, quoi. Bon. Au moins, on avance beaucoup plus rapidement que moi à l'époque, hein, en vrai. Ça, c'est pour plus tard, je me semble. Donc, bouger des choses, ça ne changera rien. Par contre, maintenant, il y a des... J'allais dire des sans-cœurs. Kingdom Hearts, bonjour. Faut que j'essaye de pousser le bloc dedans. Oh. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai dû faire une erreur. Ah, mais il y avait... Faut utiliser ça. La solution pour le chat, c'est de se... De mettre le chat couché sur soi-même, j'imagine. Est-ce que c'était... Est-ce que j'ai fait le bon truc? Je sais pas si j'ai fait le bon truc. En tout cas, ça fait bouger les choses pour que... La porte... Non. Bon, moi, je vais devoir encore attendre. Mais c'est un donjon très... Comment dire? Très original, je trouve. Mais... spécial en vrai, très spécial, vraiment. Je l'aime beaucoup, hein, mais la première fois, non, c'était chaud. Difficile de faire un câlin à un chat en même temps. Donc normalement, moi, si je fais un câlin, c'est à Mimoun. Mais bon. Oh, le favoritisme, ben oui. Alors, faut que je trouve un moyen de passer. Oula. J'avais même plus les mains sur la manette, du coup je ne voyais pas ce qui se passait. Et je n'avais pas vu qu'il y avait ce gros gardien juste ici. Ah, c'était pas l'épée de légende. Ok, très bien, très bien, très bien, je le prends très bien. Non mais genre vraiment très bien. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Surtout de devoir tenir un chat pour qu'elle arrête de miauler. Parce que bizarrement, quand je le mets sur moi, le chat essaie juste de se barrer, mais sans miauler. Et là, ben, c'est plus cool. Je m'énerve souvent sur le chat. J'ai trop peur, en vrai, que vous pensiez que je n'aime pas mes chats. Mais c'est totalement faux en vrai. C'est si j'aimais pas mon chat, je déjà j'aimerais pas passer, s'il vous plaît. Si j'aimais pas mon chat, ben je le laisserais pas aller dans la chambre, tout simplement. Donc voilà. Non, c'est vraiment. Et si je changeais le sens? D'accord, très bien. Et du coup, ouais, non, si j'aimais pas mon chat, je le laisserais pas aller dans la chambre, tout simplement. C'est juste que, bon, c'est les périodes de chaleur, malheureusement, c'est comme ça. On peut rien y faire avec. Avec celle-là, on peut pas la stériliser. C'est normal. Reste couché, s'il te plaît. Et du coup, c'est un certain handicap, du coup, qui cause problème, en vrai. Où est le... Ah, il est juste là.
Ouais, non, c'est pas... Si un jour on me disait, ouais... Oh purée, en vrai, si le ventilateur, il fonctionne... Rendez-moi la porte, s'il vous plaît. Mais du coup, ouais, c'est... Ça veut pas dire que... Ouais, je m'énerve sur mon chat en en rigolant. Non, elle est vraiment chiante, hein. Mais... Qui me vise? Je suis en train de prendre cher, là. J'ai oublié que j'avais pas lu la... L'aide de Mipha, en fait, là. Est-ce qu'on est parti pour... Ça va, là? Je vous dérange pas trop, non plus. Non, non, mais continuez, hein. J'aime... J'aime... Quand je dis que j'aime, c'est pas vrai. Arrête tes conneries. Du coup, il y a un truc à faire avec le truc en haut. Oh purée. Il y en a combien? Il y en a un. Vas-y, regarde-moi droit dans l'œil. Voilà, comme ça tu la fermes. Et c'est plus simple. Truc à faire avec ça. En vrai, si je... Plutôt que d'attendre bêtement que ça arrive d'un côté à l'autre, je peux faire comme ça. Ah purée. Sera vraiment moins embêté comme ça, c'est bon. Parce que toi, t'es chiant. Mais à un point. Plus chiant que Bella. Furie. Est-ce que vous avez entendu Mimoun dans ce let's play? En vrai, il y avait certaines périodes, Mimoun, quand il était plus jeune, il faisait pareil. Même s'il était castré. Même s'il l'est castré. Ce qu'il est toujours, j'imagine. Ouais, ça laisse beaucoup de trucs, hein, les volants. Que devons-nous faire? Je pense qu'il faut essayer de récupérer... Ah, il y a du métal là-haut. Je me suis fait électrocuter par quoi? D'accord. Faut que je récupère... Le truc là-haut. A priori. Comment est-ce que je peux faire? J'imagine que je peux essayer de bouger comme ça. À moins que... Oh bah ok, d'accord. C'est plus rapide comme ça. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. On va gagner du temps en faisant comme ça. Non. Reviens ici, s'il te plaît. Je peux pas tout... Non, je peux pas faire ça. Et c'est dingue, hein. Mais ça ne veut pas rentrer. J'ai l'habitude qu'il y a des trucs qui rentrent pas dans des trous, mais quand même.
faire comme ça. Ça a l'air d'aller, en vrai. Parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer le caillou dedans. Parce que j'avoue que là, je sais pas. On va essayer de rentrer, on va se coller au mur dès que ça s'ouvre. Et puis voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution, en vrai. Mais il me semblait que j'avais fait rentrer le truc dedans. Et toi, tais-toi. A priori, ça a fonctionné. Par contre, j'aimerais bien revoir la porte, moi. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de gardien ou un truc du genre. Parce que ça serait très chiant, tout simplement. Mais au moins, on a fini assez rapidement. Malheureusement, je ne sais pas à combien de temps on est à cause du chronomètre. Hein, parce que le chronomètre, il est totalement... décalé. Totalement décalé parce que j'ai fait des ellipses à tue-tête. Et du coup, ben, je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est, mais bon. Oui, voilà. On va sauvegarder. Et on va dire bonjour à ce petit... maître des lieux, on va dire ça comme ça. Je me souviens que la première fois que j'ai vu ça, j'ai flippé. Mais genre le fait de voir ce truc que depuis le début du jeu on voit ne pas bouger, tout d'un coup commencer à fermer sa main. Cette terreur. Par contre je crois que je suis vraiment pas prêt pour y être, pour le faire hein, ce boss. Hein. Et je crois qu'il est même noté comme étant l'un des boss les plus durs du jeu. Bon, celle-là, elle était violente, ouais. Faut l'avouer. Mais au pire, dans le pire des cas, si jamais je galère vraiment, je sais pas comment j'en suis en termes d'armes. Si on m'avait dit que le truc qui me saoulerait le plus, ça serait pas Ganon, mais ça serait le chat qui vient m'embêter pour miauler toute la journée. Enfin, toutes les soirées. Je sais qu'il y a la colère d'Urbosa, mais... je n'ai même pas vu, en fait. Ça serait vraiment chaud les prochaines fois. Il est rapide ! Faudrait peut-être que je choisisse une meilleure arme. Genre une 60. Avec oula, c'est mon dernier truc de puissance. Bon, on va l'utiliser. Comme ça, ça sera beaucoup plus efficace. Oula, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est une autre phase. J'espère qu'il reprend pas sa vie. Mais bon, tous les persos reprennent leur vie. Donc yes, génial. En vrai, je me demande si c'est un... c'est même pas un Yigas, c'est genre un Sheikah, parce que ben, du coup, moi pendant un moment, j'ai cru que c'était un Sheikah, enfin un Yigas, parce que j'ai cru que c'était un Yigas au début, parce que
Il fait un truc de carte, mais les... Je crois que les Yigas, c'est... J'ai dû le toucher, non? Où est-ce qu'il est? J'ai pas l'impression qu'il reprend sa vie, pour le moment. Si il reprend sa vie. Comment je suis censé savoir? J'ai trouvé le bon. C'est lui. Non, mince. Ah, j'ai presque plus rien en flash en vrai. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que c'est ce moment-là? Non, c'est pas ce moment-là. Pas encore. En tout cas, c'est un moment pénible. Ah si, c'est celui-là que j'arrivais pas. Enfin, que j'arrivais pas. J'ai pris longtemps. Le problème, c'est que ben, du coup, faut pas qu'il perde sa... Faut pas qu'il regagne sa vie. Comment ça se fait que les ennemis peuvent regagner leur vie? Est-ce que je peux lui renvoyer? Où est-ce qu'il est? On va prendre le 60. La colère d'Urbo, ça lui fait rien. Par contre, du coup, est-ce qu'elle se régénère? Oui. Ok. Aïe aïe aïe. Vite, faut que j'y envoie. Seulement j'avais mon truc pour faut que je prenne celle-là. Non, celle-là. Ah, est-ce que c'est le moment? C'est la mort, c'est la mort.
Purée, j'ai plus de stats. Il me faut une attaque. Un truc rapide. Allez. Se régénère petit à petit, c'est pénible. Mais j'ai vraiment du mal à le. À lui renvoyer. C'est pour ça que j'avais arrivé. Il a vraiment un pattern chelou, je trouve. Pour les lasers. C'est pour ça que j'arrive pas à le. À lui renvoyer. J'attends qu'il me les renvoie. Vas-y, envoie-moi ton laser. Parce que là, c'est pénible. Purée. Je l'envoie trop tôt, en fait. J'ai l'impression. J'ai réussi. Il fallait que Darok me donne de la force. J'imagine. C'est la seule explication que j'ai. Hein. Oh purée, faut que je m'éloigne. Parce que si je vais pouvoir envoyer les rayons, c'est avec Darok. Hein. Donc. Parce que Darok peut les envoyer, je crois, il me semble. Je sais même pas si j'ai bientôt la couleur d'Urbosa. Ah bah. Oh. Ça leur fait tomber. C'est ma chance. Faut que je bouffe, faut que je mange des trucs. Aïe aïe aïe. C'est quoi comme flèche que j'ai? Purée, j'ai presque plus de flèches en plus. C'est le seul moyen que j'ai là par contre. Quoique en vrai. C'est mon seul moyen rapide d'avoir de lui faire des dégâts en vrai. Parce que j'ai pas l'impression que les flèches lui fassent quoi que ce soit. Bah ouais, s'il me fait toujours pas de trucs là pour
Aïe aïe aïe. Merde, il reprend des vies. Purée, mais il en reprend plein en plus. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. C'est une bonne nouvelle. J'ai plus rien. Je te protégerai. Heureusement que j'avais pris ces flèches là parce que ça aurait jamais passé. Après cette épreuve, ton courage ne saurait plus être mis en doute. Je te félicite. Tu as fait tes preuves, héros. Tu as gagné le droit de piloter ta propre créature.
Le présent qui était confié est un pur chef-d'œuvre de technique conçu pour le héros véritable. Héros d'Hyrule, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Tiens, te revoilà. Je ne saurais dire pourquoi, tu me sembles plus grand que la dernière fois. Mon œuvre est achevée. Veux-tu que je la chante? Tu la trouveras peut-être assez intéressante. Je t'ai parlé, je crois, du chant que feu, mon maître, jamais ne termina. Eh bien, c'est chose faite. J'ai repris ses recherches, poursuivi son voyage. Oui, le couplet manquant conclura son message. L'endroit est idéal pour déclamer mon chant. La scène que je narre eut lieu il y a 100 ans. Quand le champ d'Hyrule, visible à l'horizon, vit de six êtres illustres l'intronisation. Voici l'ode au prodige. Guerrier d'Hyrule, en vous présentant ici à l'appel de votre roi, vous acceptez une mission qui met votre vie en péril. Soyez remercié. Je vous nomme prodige du royaume. Portez fièrement ce titre et l'habit qui le représente. L'azur de sa trame est celui de la famille royale d'Hyrule depuis l'aube de son règne. La princesse Zelda a tissé ses vêtements comme elle a tissé le lien qui vous unit. Ma fille, l'heure est venue de tenir le rôle auquel votre naissance vous destine. Conduisez les prodiges à la bataille. Combattez pour Hyrule et protégez notre royaume du fléau jusqu'à votre dernier souffle. Je sais pas vous, mais moi je suis pas trop à mon aise dans ces trucs officiels. Voilà donc la fameuse tablette Sheikah. Il semble qu'elle ait été conçue pour remplir différentes fonctions. Malheureusement, nous sommes encore loin d'avoir percé tous ces secrets. En tout cas, elle crée des images fidèles à la réalité. Je l'ai vu. La princesse m'a fait une démonstration l'autre jour. C'est incroyable. Je serais curieuse de voir ça. Votre Altesse, dites-moi, pourrais-je vous demander une faveur? Bon, on va faire ça ici, ça sera très bien. Regardez tous la tablette Sheikah. Daruk, si tu ne te baisses pas un peu, tu ne rentreras jamais dans le cadre. Pourquoi cet air sinistre, votre Altesse? Faites-moi un beau sourire. Révali, rapproche-toi au lieu de soupirer. Ah, je vous jure. Mipha, t'es raide comme un piquet. Respire un grand coup. D'accord. Regardez tous par ici. Tout le monde est prêt? Faites-moi un magnifique... Ristiti!
À compter de ce jour, ils connurent le prestige qui revient à qui porte le titre de prodige. Pardon. Maître me disait que lorsque l'on écrit, il faut que les mots brillent des couleurs de la vie. Mon voyage achevé aujourd'hui, je comprends et je le remercie pour son enseignement. J'oubliais, j'ai trouvé quelque chose en rangeant les journaux que mon maître tenait de son vivant. Je crois qu'il serait juste que la chose te revienne. Toi qui as des prodiges, la volonté sereine. Photo des prodiges. Après la cérémonie d'intronisation, ce cliché montre la princesse Zelda entourée des 5 prodiges. Azarim vous l'a remis une fois terminé son ode aux prodiges. Puissent ces âmes des prodiges à jamais protéger le royaume d'Hyrule et en paix reposer. Link, j'ai été témoin de tes exploits. Tu as relevé chaque épreuve avec courage. Ton pouvoir est grand. Tu es prêt à présent. Va. Accomplis ton destin. Tu triompheras du fléau. Je le sais. Et voilà. Prochaine étape, on part là-bas. Sur ce, moi je vous invite à partager, commenter, vous abonner et aimer la vidéo. Et la prochaine fois, nous partirons sur la dernière vidéo.